Voilà. Et donc, du coup, maintenant, je vais vous apprendre encore une autre technique. Hein. Donc, où là, c'est pas la technique de la tornade dans le dos. Hein. C'est pas Tatsumaki dans le dos. Là, c'est un mélange. Donc, vous vous souvenez, hein, comme d'habitude, hein, d'abord, vous faites quelques coups d'estoc. Hein. Vous essayez d'en faire 10. Où on pique 10 coups de taille où on tape comme avec un marteau. Vous faites 10 fois tourner votre balai dans vos mains comme ça. Bien sûr, après avoir nettoyé votre chambre, vous faites la même chose dans votre dos. Voilà, ça va taper. Oh là là, c'est pas toi, c'est pas bon. Ah voilà, c'est bon. Hop là. Et maintenant, vous allez essayer de faire, attention, un mélange. C'est-à-dire que ça va partir comme ça. Hop, 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 hop. Voilà, donc je vais aller plus doucement. Hein. Donc l'idée, c'est de bien tenir votre balai. Tchouk, vous le faites passer derrière. Vous faites Tatsumaki. Et en fait, après, vous vous faites revenir ici. D'accord? Vous allez voir, c'est comme si en fait, alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé un canoë, mais c'est la même chose. Hein. En fait, il faut faire comme si on pagayait. D'accord? Hein, c'est à peu près ça, simplement vous rajoutez du tatsumaki. Alors, je sais, c'est pas très bien expliqué, c'est un peu difficile à faire, enfin, plutôt à expliquer sur une vidéo, mais sincèrement, essayez de trouver ouais, la méthode que je viens de faire là, cette technique. Ça peut vraiment être intéressant pour vous. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein, vous allez balayer votre chambre et puis comme ça, vos parents seront contents. Au revoir.